1 Corinthiens 2:2. Et il vient, il nous montre que c'est la croix. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand je tends l'oreille, j'écoute les radios, les télévisions, j'écoute les gens, je n'entends plus Jésus-Christ crucifié, tout le monde sera élevé, tout le monde sera banni, tout le monde, on a enlevé Jésus-Christ, on a enlevé... Mais comment pouvez-vous vivre avec un christianisme sans Jésus? Comment voulez-vous vivre, vaincre sans Jésus? Je ne veux pas avoir autre pensée parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1:18. Car la prédication de la croix est une folie, et c'est pourquoi l'Église est folle aujourd'hui. L'Église refuse la prédication de la croix. L'Église veut qu'on leur donne des choses. L'Église veut qu'on les délivre. L'Église veut qu'on les bénisse. On te dit, si tu prêches la croix, on vient plus chez toi. Vaut mieux prêcher la croix que personne ne te suive que de prêcher autre chose que les gens te suivent. Les gens ont suivi Jésus. Écoute-moi, pourquoi je dis ça? Reprends ce verset-là. Celui qui a dit ça là, c'est un homme qui était contre Jésus lui-même. Lui là, il était contre Jésus. Des millions d'hommes ont suivi Jésus. Oh, il multiplie les pains, il élève les gens, il fait ça. Mais le moment où Jésus a parlé de la croix est venue mettre tout le monde contre lui. Tout le monde, même ses meilleurs amis. C'est pourquoi cet homme l'a dit. Parce que quand Jésus mourait à la croix, il y avait plusieurs groupes de gens. Il y avait les Grecs. Il y avait les Romains. Il y avait les Juifs. C'est pourquoi quand le roi là a fait mettre sur voici le roi des Juifs, il a mis ça en latin, il a mis ça en grec et puis il a mis ça en chose. Les gens ont dit de ne pas mettre ça. Pourquoi? Le même Paul te dit dans 1 Corinthiens. Il dit, les Grecs, ils ont eu la croix là. Il faut être fou pour nous sommes savants. Les Pythagores, tous les grands savants, les mathématiciens, c'était les Grecs. La Grèce dominait le monde intellectuel. Et qu'on vienne dire à ce monde intellectuel là, des mathématiciens, de leur dire qu'entre la mort de ce monsieur là, entre deux brigands, il y a trois personnes qui sont crucifiées. Les mathématiciens, les Grecs, les philosophes se sont assis. Les juristes grecs se sont assis. Il dit, comment vous pouvez démontrer mathématiquement, de façon raisonnable, quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre la mort de cet homme au milieu là, alors qu'il y a deux autres croix, et vous dire que celui qui est au milieu là, sa mort enlève les péchés du monde, sa mort réconcilie Dieu avec les hommes, pourquoi pas les deux autres? Un, les Grecs ont dit, ils étaient fous, ils ont continué. Les Romains sont venus. C'est dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui dit. Les Romains ont regardé la croix, et les dit qu'ils ont regardé. Il dit non, vous là, vous êtes des plaisantins. Ça, c'est un rebelle. Il s'est rébellé contre César. Parce que la croix a été inventée par les Grecs, appliquée par les Romains. Et les Roms crucifiaient les voleurs. Il dit, mais les Romains ont dit quand même, soyez logique là. On a crucifié un premier voleur, crucifié notre deuxième voleur. Et vous vous dites que le troisième qui est au milieu là, lui c'est pour sauver. Or nous on les a crucifiés parce que ce sont des voleurs, des rebelles. Les Romains ont dit, mais vous ne comprenez rien. Ils ont continué. Les Juifs sont arrivés. Ils ont regardé. Ils ont dit, ah bon, notre Messie qu'on attend là, notre Messie qu'on attend là, le grand Messie qui doit nous libérer là, et vous dire qu'il est mort comme ça, comme un vulgaire voleur. Notre Messie, dans l'Ancien Testament déjà, chaque fois qu'il apparaissait là, tout le monde avait peur. Et notre Messie est vaincu comme ça. Ils ont dit, vous êtes des fous.
C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas être fou. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons prédicateurs. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons hommes de Dieu. Hommes de quel Dieu? De quel Dieu? Regardez-le. Il était seul. Un homme crucifié est seul. Vous ne voulez pas être seul. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Allez-y. Mais quand Dieu dira, je ne te connais pas, infidèle serviteur, éloigne-toi de moi, toutes les montagnes vont fuir. La prédication de la croix est une folie. 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 Et vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous voulez être des leaders. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligent. Vous voulez montrer aux gens que le chrétien peut être président. Il peut être premier ministre. Il peut être quoi? Ça peut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Premier ministre, ça veut dire quoi? Président, ça veut dire quoi? Rien. Vous ne voulez pas que Dieu vous montre. Voici mon fils qui croit ma parole. Voici ma fille qui croit ma parole. Vous avez honte de ça. Vous voulez vous identifier avec ceux qui semblent réussir. Ah bon? Vous avez honte de Dieu. Vous avez honte de la croix. Ah, maintenant, vous avez été sauvé par la croix. Quand vous avez été sauvé par la croix, vous avez pris la croix, j'étais derrière. Et vous voulez continuer le salut sans la croix. Vous voulez continuer le salut sans la croix. C'est une folie. Maintenant, ce n'est pas une folie pour le moi, c'est une folie de vous-même.